Salut, alors je m'appelle Yvon Brochu. Je viens d'écrire un petit roman pour toi qui s'appelle Le Grand Défilé. Le Grand Défilé, c'est un livre qui parle de livres. Et tu vas comprendre parce que mon papa et ma maman travaillaient dans des bibliothèques, même que mon père était chauffeur de bibliobus. Alors tu vois que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie dans les livres. Alors donc, ça raconte l'histoire de Adèle et Léonie, qui ont trois amis très poilus. Un qui s'appelle Rouquin, qui est un renard roux. Tu as aussi Grisou et Ripou, qui sont deux écureuils, des jumeaux, mais il y en a un qui est gris, l'autre est roux. Et ils s'en vont à un défilé, un grand défilé, mais qui est réservé uniquement pour les animaux. Mais quand Adèle et Léonie apprennent ça, ils veulent absolument y aller. Alors finalement, comme ce sont de grands amis, ben les amis animaux vont amener Adèle et Léonie voir le grand défilé. Par contre, comme c'est réservé aux animaux, eh bien, notre amie Léonie et Adèle, nos amis, ils vont devoir porter des oreilles de renard et des oreilles d'écureuil, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient reconnus. Parce que c'est rien que les animaux qui vont assister au grand défilé. Alors, ils arrivent, finalement, ils prennent la forêt. C'est une promenade en forêt avec plein d'animaux. Personne ne les reconnaît. Et ils arrivent dans une magnifique clairière. Et dans cette clairière-là, le défilé commence. Il y a plein, plein d'animaux incroyables qui viennent des livres, en fait, qui sortent des livres. Alors, tu as des crocodiles cracheurs de feu. Tu as aussi tu as même des éléphants qui sont des lutteurs sumo. Ah, t'as toutes sortes d'animaux incroyables. Puis en plus, ils se promènent dans des fusées ping-pong. Ils se promènent dans des motos qui appellent eux autres des motos papillons. Alors, c'est vraiment un défilé magique auquel assistent Adèle et Léonie. Alors, ben voilà, ça te donne un peu une idée. Et tu comprends maintenant avec tous ces animaux-là vont sortir d'un immense bibliobus. Alors, tu comprends pourquoi maintenant j'ai été un peu inspiré. Finalement, j'ai fait ça avec mon papa. Je te parlais de mon papa au début du vidéo. Alors, ben c'est ça. Et ils vont vivre un très, très beau moment avec tous les animaux et le grand défilé. Alors, je te souhaite une bonne lecture, un bon défilé. Et peut-être que toi aussi, comme Léonie et Adèle, tu rencontreras le chaboté, qui sait. Alors, miaou! À la prochaine. Bonne lecture. Bye!